Elle était attendue, la voilà donc qui se confirme. Oui, effectivement, c'était attendu parce que dès hier, donc il y a trois photos des trois présumés assaillants qui a fuité, donc avec la bannière de l'État islamique derrière eux, et j'ai pu, avec un confrère italien, confirmer que la seule personne qui n'était pas masquée était un prédicateur assez connu de la mouvance islamiste radicale au Sri Lanka, donc connu pour sa position pro-État islamique, son soutien dans ses prêches à l'État islamique, sa participation à la propagande de l'État islamique, du moins jusqu'en 2017, donc ça a pointé dans ce... dans ce sens-là, et ça vient d'être confirmé donc, par la revendication officielle, si on peut dire ça comme ça, de la part du groupe. Il faut rappeler aussi que ce n'est pas la première fois qu'ils visent les chrétiens. Là, c'est la fois où c'est de loin la fois la plus meurtrière, mais il y a eu des précédents aux Philippines, des précédents aux Égyptes. Il faut noter qu'ils n'ont pas réussi de tels forfaits en Occident, exception faite de l'assassinat du père Hamel ici même en France. Ce n'est pas la première fois qu'ils visent la communauté chrétienne, mais là, c'est la fois la plus meurtrière, en tout cas. Wassim, comment le mouvement est-il aujourd'hui représenté au Sri Lanka ? Ben écoutez, le mouvement n'était pas représenté officiellement pour le moment au Sri Lanka, mais ce qu'on peut voir, en tout cas ce qu'on a vu d'après le profil de ce prédicateur, c'est un mouvement qui est déjà ancré, un mouvement radical qui est déjà ancré au Sri Lanka, et que ce sont des transfuges de ce même mouvement qui ont rejoint l'État islamique. Parce que le mouvement islamiste auquel appartenait ce prédicateur a lui-même condamné les attentats. Donc là, on rentre dans la complexité de ces mouvements en Asie du Sud-Est. Il y a eu un cas similaire en Indonésie, donc les attentats qui étaient commis en Indonésie au nom de l'État islamique en 2016 à Jakarta, c'était aussi des transfuges d'un parti islamiste radical. Et si on regarde les profils des assaillants de Jakarta, qui étaient tous étudiants universitaires, on regarde le profil aujourd'hui aussi, a priori, selon Reuters, de deux des assaillants, ils sont fils d'un richissime homme d'affaires, donc on voit que l'idéologie, en tout cas djihadiste, aussi là-bas en Asie du Sud-Est, elle recrute dans toutes les strates de la société.